Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mercredi 8 février. L'actualité, c'est d'abord les dessins de Régis Sector au sujet de la guerre en Ukraine. Les illustrations de l'artiste mosellan sont d'ailleurs utilisées par le musée de Kiev. Dans cette édition, nous parlerons également des fermes pédagogiques, comme celle de Rezonville, véritable lieu d'apprentissage pour les jeunes autour du monde agricole. Et puis, nous avons tous en tête une réplique ou une mimique de ce célèbre acteur, Louis de Funès. Il est exposé à Vic-sur-Seille. 150 pièces originales retraçant sa carrière ont été prêtées par la Cinémathèque française. Côté ciel, le soleil brillera de mille feux toute cette journée de jeudi, mais il n'entraînera pas une remontée des températures. Elles seront comprises entre moins 6 le matin et 6 degrés l'après-midi. Une météo qui reste agréable au regard des cataclysmes qui ont touché la Turquie et la Syrie ce 6 février. Deux séismes de magnitude 7,8 et 7,5 qui ont eu lieu en ce début de semaine. Le bilan s'alourdit chaque jour avec plus de 11 200 morts recensés. Un appel à l'aide internationale a d'ailleurs été lancé par les deux nations. Et la France a d'ores et déjà répondu présente, tout comme la Moselle. Le comité d'aide au peuple syrien est sur tous les fronts depuis ces derniers jours. Dominique Cambianica, bonsoir. Bonsoir. Vous en êtes la présidente. On fera le point sur les initiatives en cours pour aider la population avec vous dans un instant. Mais d'abord, on développe le reste de l'actualité. Grand dossier en Moselle, le choix du tracé de l'A31 bis. En attendant la décision finale, Pierre Cuny, maire de Thionville, et son équipe ont déjà donné leur avis. Ils soutiennent le tracé F4, qui comprend la création d'une nouvelle section, longue de 7,9 km. Les véhicules emprunteront l'autoroute A30, la quitteront par une bretelle d'autoroute, les amenant à traverser Florange par un tunnel profond sur 2,2 km. Un projet estimé entre 510 et 630 millions d'euros. À noter cependant que cette volonté est rejetée par l'opposition écologiste du Conseil. C'est un nom qui fait écho dans son domaine. Régis Hector, dessinateur de presse, réalise depuis un an maintenant des illustrations sur la guerre qui se déroule en Ukraine. Des coups de crayon partagés par le musée de la guerre à Kiev. C'est un reportage de Jean Milon. Alors ce dessin, c'est tout simplement Vladimir Poutine qui se pose aucune question, c'est-à-dire qu'il s'endort et à la place de compter les moutons, je les fais en train de compter les morts. Le message est toujours le même, dénoncer les atrocités de la guerre. Pour cela, pas de grands discours, mais des coups de crayon bien efficaces. Mes armes, à moi, c'est le crayon. Quoi. Je n'utilise pas des balles, j'utilise des bulles. Donc c'est ma manière de les aider et, avec l'humour. Et c'est pas toujours un exercice facile, parce que devant certaines exactions, dernièrement, il y a eu un massacre d'enfants. Je suis désarmé des fois. C'est pas un sujet toujours très facile. Et moi, je le dis toujours, j'aimerais bien justement un jour dire que je n'ai plus besoin de faire de dessin. Des idées, Régis Hector en a pourtant à l'appel. Comme cette terre, prête à exploser, ou encore Staline et Hitler berçant leur petit Poutine. J'ai fait Adolf Hitler en train de lui donner le sein. Puisqu'il dit qu'il chasse les nazis d'Ukraine, mais actuellement, celui qui se conduit comme un nazi, c'est bien lui. Des dessins qui se retrouvent depuis un an sur une page internet dédiée aux dessinateurs. Elle est publiée par le musée d'histoire et de la guerre de Kiev lui-même. En tout, 41 œuvres reflétant la résistance inébranlable des Ukrainiens et la futilité des plans des envahisseurs sont ainsi à découvrir. Donc le premier dessin que je leur ai envoyé, qu'ils ont eu en leur possession, c'est celui du 28 février 2022. J'aimerais bien leur offrir les originaux, parce que je trouve vraiment que ces dessins-là, ils m'appartiennent plus. Ils m'appartiennent plus, et les dessins-là, c'est à eux, parce que de toute façon, c'est leur histoire. Passionné, mais surtout très concerné par cette guerre, Régis Hector planche aujourd'hui sur une BD. Alors, il se documente. Si je dois dessiner un char, autant que ce soit un char qui existe, il y a un côté. Bon, je ne vais pas faire de l'hyperréalisme non plus, mais il faut que je donne de l'authenticité quand même à mon dessin. Une BD centrée sur l'humain, plus que la guerre en elle-même, un véritable gage d'espoir dans un conflit long de bientôt un an.
Amener les jeunes mosellans de la ville à la campagne, c'est possible avec les fermes pédagogiques. En Moselle, il en existe 9 de ce type. Une manière de répondre à toutes les questions, mais aussi de casser les préjugés autour du monde rural. Regardez. Caresser un lapin, connaître les animaux de la basse-cour, faire découvrir la vie de la ferme, voilà les différentes activités proposées par la plus ancienne ferme du réseau pédagogique depuis 1994. La découverte de ces choses permet de se rattacher à la terre, puisque finalement, il y a des enfants qui n'ont ni grands-parents, ni tontons, ni tata à la ferme. Ils peuvent être très très éloignés du milieu rural. Et finalement, une ferme, ça permet de retrouver des choses simples comme les animaux, le terroir et les cultures et l'élevage. De la maternelle au collège, 66 classes viennent chaque année à la ferme. L'occasion de faire découvrir l'agriculture aux jeunes mosellans. Je pense qu'il faut absolument que nous redécouvrions ce que représente l'agriculture sur un territoire comme la Moselle, qui est à la fois une activité économique, qui est une activité, une politique d'aménagement du territoire, mais qui est également une capacité de pouvoir nourrir nos populations et puis démontrer que nous sommes dans une agriculture qui respecte à la fois l'environnement, qui respecte les animaux, qui respecte un certain nombre de règles. Et puis, c'est des animateurs de la ruralité et ce sont des aménageurs du territoire. Donc, c'est tout cela que l'on veut faire passer comme message, parce que sinon, on aura véritablement la barrière et la rupture entre la France et la Moselle des villes et la Moselle des champs. En Moselle, 9 exploitations agricoles ont obtenu un label qui garantit un accueil de qualité aux écoles, le bon moyen de se détacher de la ville pour apprécier le temps d'une après-midi, la campagne. Et je vous propose qu'on ne s'arrête pas en si bon chemin, on va continuer de parler de l'environnement dans la chronique du jour. Lucie, bonsoir. Bonsoir, Anne. La loi anti-gaspillage va rendre obligatoire au 1er janvier 2024 le tri des biodéchets. Il faudra donc s'équiper d'un bac de compost à notre domicile ou proche de celui-ci. Ça va permettre de réduire de 30% le contenu des poubelles. Mais Lucie, pour composter, il faut donc être équipé. Comment faire si on loge dans un appartement? Ça semble un petit peu plus compliqué. Ce n'est pas si compliqué que ça, Uranie. Rassurez-vous, des solutions existent. Chez vous, vous pouvez vous équiper d'un seau que vous pouvez mettre proche de votre poubelle. Une fois ce seau plein, vous pouvez vous rendre dans un site de compostage de votre quartier. À Metz, par exemple, il existe 6 points de compostage partagés, répartis un peu partout dans la ville. Il y a des permanences pour venir déposer vos déchets. C'est plutôt pratique. Si au contraire, vous êtes dans une maison avec un petit bout de verdure, n'hésitez pas à vous procurer un composteur individuel à mettre au fond du jardin. Certaines mairies en fournissent sur présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Et je le précise, si aujourd'hui aucune sanction n'est mentionnée dans le texte de loi, une amende de 75 € est prévue en cas de non-respect des consignes de tri des biodéchets. Mais Lucie, avant que ça devienne du compost, il y a tout un processus, on l'a vu déjà à travers les images. Que peut-on mettre dans ces bacs? Beaucoup de choses, Uranie. Les déchets compostables, ce sont les restes de fruits et légumes, les épluchures, le marc de café, les filtres à café aussi, les coquilles d'œufs, le pain et même de l'essuie-tout. Mais vous pouvez très bien mettre aussi des végétaux comme vos feuilles mortes du jardin, les mauvaises herbes ou des fleurs fanées. En revanche, les déjections animales, le reste de nourriture animale et tout ce qui est plastique, boîtes de conserve, huile, javel, etc. sont forcément à éviter. Ça paraît évident, mais c'est bien de le rappeler. C'est bien beau de trier ces déchets, mais à quoi ça va servir concrètement ce compost? Composter vous permet, après plusieurs mois de macération, d'obtenir un super engrais pour les plantations, celles de la ville ou de votre jardin. Des milliers d'êtres vivants, donc les vers, les insectes, les champignons, les bactéries s'associent pour détricoter ces matières organiques issues de nos cuisines et jardins. On compte 5 à 7 milliards de bactéries dans une poignée de compost. Il faut environ une année pour que les matières mises à composter soient utilisables par le jardinier. Merci Lucie d'avoir mis les mains dans la terre pour nous parler du compost. Après la culture du sol, la culture tout court, comme chaque mercredi, vous en avez l'habitude, une boîte à malice vous attend sur Moselle TV. Cette semaine, Alicia Hiblo vous fait découvrir l'artiste peintre Dominique Funès, mais aussi Bestiaire, la nouvelle exposition du Centre Jacques Brel à Thionville. Au programme également, un focus sur la 3e édition du Festival international du film d'animation à Metz, qui aura lieu du 10 au 13 février. Un festival qui a pour invité d'honneur la comédienne et doubleuse Dorothée Gemma. Alors qui est-elle? Voici la réponse.
Vous connaissez peut-être pas son nom, mais vous avez probablement entendu sa voix, puisqu'elle est comédienne de doublage notamment. C'est elle qui fait la voix de Sally, la voix française de Sally dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, mais également de Rachel dans Friends, c'est la doubleuse officielle de Jennifer Aniston. Elle sera là le samedi, après-midi et soir sur le festival. Donc l'après-midi en séance de dédicace et en rencontre pour qu'elle puisse parler de son métier de doubleuse, présenter ce qu'elle fait, faire des démonstrations. Vous pourrez venir doubler à ses côtés également. Et puis elle sera présente jusqu'au soir pour lancer la soirée spéciale de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et pour en apprendre davantage, bien sûr, ouvrez la boîte à malice ce soir à 19h sur Moselle TV. On continue dans l'art. Depuis fin novembre, les locaux de Moselle TV accueillent les œuvres de Claire Bravi, des tableaux faits de collages, de papier et de photos représentant des anciennes usines Lorraine. Hier s'est tenu le vernissage de l'exposition. Retour en images avec Lucie Philippot et Alicia Iblot. Des collages papier, des photos d'anciennes usines Lorraine, Claire Bravi a choisi d'illustrer, à sa manière, des friches industrielles avec une méthode bien particulière. Je pose mes toiles comme à mon habitude, avec un fond en collage de vieux plans que je récolte dans les usines désaffectées. Il y a parfois des plaques de rouille également. Et à la fin, je colle une photo que je réalise moi-même en général pour figurer mes monstres d'acier lorrains. À l'occasion de son vernissage, une trentaine de personnes a pu découvrir son travail dans les locaux de la chaîne. Je trouve ça vraiment étonnant, ce mariage à la fois des couleurs, et de collage. Très belle exposition de Claire, moi-même qui ai commandé un tableau, donc ça permet de faire revivre un petit peu notre histoire sidérurgique de la région. L'exposition a pu donner un peu de vie aux différents murs de Moselle TV. Claire Bravi inaugure le concept, d'autres artistes suivront. L'intérêt, c'est de changer aussi, d'en montrer d'autres. Et puis Moselle TV reçoit chaque jour des invités, des chroniqueurs, des nouveautés avec des gens qui ne sont jamais venus, donc qui sont de potentiels clients aussi, puisque le but, c'est que l'artiste puisse vivre de ses œuvres et vendre des toiles. Moi, je l'espère. Le prochain artiste à habiller les murs de Moselle TV sera Stèche, un univers pop, coloré et surtout décalé. Après Bruxelles ou encore Cannes, Vic-sur-Seille a la chance d'exposer 150 pièces originales autour du célèbre acteur Louis de Funès. Ses déguisements et affiches de films font une dernière escale dans le sud mosellan avant de retourner dans leur étui de protection pour plusieurs années, aperçues en images. Au papier. Le comique préféré des Français, révélé à plus de 50 ans, Louis de Funès, a marqué plusieurs générations. J'ai surtout retenu les petites mimiques de Louis de Funès sur l'écran, la bonne humeur, la mauvaise humeur, c'était rigolo. Ce que je retiens de Louis de Funès, c'est surtout tout ce qui est le gendarme, en fait. Voilà, c'était vraiment une époque que j'aimais beaucoup à ce niveau-là, tous ces films qu'il a fait enchaîner. Mais ce que je retiens surtout, c'est ses mimiques incroyables. Enfin voilà, il était extraordinaire d'un point de vue comique. Il a traversé justement les époques et même encore les jeunes d'aujourd'hui continuent à regarder, à rire. Et ça, je trouve que c'est exceptionnel. Ses fans de la première heure n'ont pas hésité à faire plusieurs centaines de kilomètres pour admirer ces pièces uniques aperçues dans ces films. Moi, je suis très fan de la soupe aux choux, donc j'étais très contente de voir donc ce costume. C'est chouette de voir le costume de Rabbi Jacob. Après, moi, je suis une grande fan de la folie des grandeurs. Et puis, ça m'a bien plu de voir la machine infernale. Et puis aussi, les vraies affiches quand le film est sorti. Ça nous replonge dans les films, pour moi, en tout cas, de mon enfance, que j'ai adoré regarder à l'époque avec mes parents et mes sœurs. De sa mythique barbe dans les aventures de Rabbi Jacob à ses fameux gants, casques et palmes, utilisés dans Le Gendarme se marie, près de 150 archives sont exposées dans cet espace de 600 mètres carrés. Voilà, bah ici sur ma gauche, l'iconique deux chevaux du film Le Corneau, reconstitué par un amateur qui est membre de l'Académie des Césars. C'est tout un symbole d'un des plus grands films de Gérard Rouy.
Le maire, Jérôme Hend, fan absolu du génie burlesque français, disparu il y a 40 ans, attendait cette exposition avec impatience. On a souhaité accueillir cette exposition qu'on a découverte à Paris. C'était une magnifique exposition et on s'est dit pourquoi pas chez nous, ici, à Vic-sur-Saye, parce qu'on est aux portes de Metz, de Nancy. On est finalement sur un bassin d'agglomération assez proche et donc on peut attirer énormément de visiteurs. Dans l'autre sens, cette fois-ci, les agglomérations vers la ruralité, plutôt que parfois la ruralité vers des grandes villes qui sont plutôt prédisposées à accueillir ces expositions d'habitude. La commune de 1300 habitants espère attirer 25 000 visiteurs en seulement 4 mois. Et cette exposition est visible jusqu'au 26 mai. En foot, Pierre Dréossi, directeur sportif du FC Metz, s'est confié au micro d'Emeric Guillaume. Il revient pour nous sur le mercato des Grenats. Je vais rester surtout sur les mêmes idées que cet été, c'est-à-dire qu'on essaye de stabiliser cette équipe. D'abord d'en faire une, avec beaucoup de joueurs qui venaient de Serein, de prêts divers, de blessures, de voilà des choses. Cette équipe s'est faite un petit peu à la fois et elle est plutôt dans une bonne dynamique depuis un certain temps. On a essayé de malgré le fait que Metz doit continuer à vendre pour essayer de trouver un équilibre financier, donc on a vendu effectivement Kiki Kouyaté, on a gardé la majorité des joueurs qu'on voulait garder, on s'est renforcé par un attaquant, et surtout il y a des jeunes qui, avec le travail de Laszlo, commencent à arriver, donc on a trouvé un équilibre pour faire en sorte de continuer cette belle série. Handball maintenant, qu'ont en commun Camille Depuisé, Tamara Horacek, Emma Jacques, Sarah Boutit, Chloé Valentini et Atadou Sako. Eh bien, ces 6 Dragons ont été sélectionnés pour le match de l'équipe de France face à la Suède, qui doit se dérouler au mois de mars. 2 futures Messines, Lucie Granier et Jazz Chambertin, qui doivent arriver la semaine prochaine au club messin, seront également sur le terrain. Rendez-vous sur notre site internet www.moselle.tv pour plus de détails dans un article dédié. Et puis c'est le bon moment pour vous annoncer la prochaine invitée de Dragon Mag, ce vendredi à 18h30. Ce sera la capitaine de Metz Handball, Bruna de Paola, qui sera sur notre plateau. En attendant, eh bien, le sport est loin d'être une priorité pour ces Turcs et ces Syriens touchés par les séismes de magnitude 7 qui ont eu lieu en début de semaine. Des milliers de morts et une multitude de décombres ont été recensés. Un soutien international est en cours et la Moselle ne fait pas exception. On en parle avec notre invitée du jour. Dominique Kamzanika, bonsoir. Bonsoir. En tant que présidente du comité d'aide au peuple syrien, les derniers événements qui ont touché la Turquie et le nord de la Syrie vous ont touché également ? Mais oui, ils nous ont vraiment bouleversés parce que nous sommes en relation très constante avec nos correspondants sur place, puisque cette équipe travaille depuis des années pour nous. Donc on a immédiatement été en contact pour savoir ce qui se passait, essayer de savoir ce qui était arrivé pour eux. Enfin, vraiment, ça nous touche de très, très près, en fait. Oui. Vous avez donc lancé un appel aux dons le 6 février dernier pour venir en aide aux victimes de ces séismes-là. C'est quel type de dons et où est-ce qu'on peut donner ? Alors, ce sont uniquement des dons financiers. Nous ne faisons pas de collecte de matériel, quel qu'il soit. Nous enverrons ces fonds très rapidement. D'ailleurs, ils vont partir dès demain, on va commencer, pour financer sur place des tentes, des couvertures, du matériel de première nécessité. Donc on peut donner encore, ce n'est pas figé. Vous envoyez au fur et à mesure. Les besoins vont durer des semaines et des semaines. Donc, il n'y a pas de date de fin, malheureusement, pour cette collecte. Donc vous avez expliqué à quoi vont servir ces dons-là. On se rend sur votre site internet, voilà, c'est ça ? Voilà, sur notre site internet, il y a un lien sur la fonction Paye Asso, donc qui permet de régler en ligne. On peut aussi faire des virements sur notre compte bancaire. Tout cela est indiqué sur notre site internet. On accepte éventuellement aussi des numéraires pour les cas particuliers. Là, vous expliquez pas de dons matériels. Voilà. Finalement, vous incitez quand même les téléspectateurs à pouvoir donner à des associations autres ? Bien sûr, parce qu'il y a des associations qui ont la capacité et la structure pour accueillir des dons, ce qui n'est pas notre cas. Donc, on peut s'adresser, par exemple, à Alsace-Syrie à Strasbourg ou à France-Syrie Entraide à Nancy. On peut aussi, sur Metz, sur la Moselle, s'adresser aux associations turques qui ont déjà commencé les collectes.
J'imagine également que vous soutenez émotionnellement les personnes restées en France qui ont de la famille ou des proches, de l'entourage là-bas. Oui, bien sûr. Hein, c'est extrêmement éprouvant quand on sait que sa famille est sur place, qu'on n'a pas de nouvelles et qu'on ne peut rien faire à distance. C'est très bouleversant. Certaines personnes qu'on a rencontrées cet après-midi nous ont dit finalement, je préférerais presque être là-bas parce que ici, je me sens trop mal à ne pouvoir rien faire. Vous avez régulièrement des communiqués, des états des lieux Oui, on est en lien permanent par un groupe WhatsApp qui a fonctionné. Les premières heures étaient difficiles, mais maintenant ça fonctionne. Alors, le comité de soutien a été créé en 2012. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler quelles ont été les raisons de cette création et quel bilan on peut faire de ces années Cette association a été créée lorsqu'il y a eu des manifestations dans le cadre des printemps arabes en Syrie et qu'ont commencé les premières répressions extrêmement violentes du régime qui assassinaient notamment les médecins et les personnels soignants qui allaient porter secours aux manifestants blessés. Donc ça a fait réagir puisque normalement les soignants, les médecins ne sont pas pris à partie de cette façon. C'est parti de là. On a commencé à envoyer de l'aide médicale et puis assez rapidement on a réorienté notre action vers l'aire humanitaire d'urgence, c'est-à-dire l'eau potable, le lait pour bébé, le chauffage. Et à partir de 2014, une autre activité s'est développée, c'est l'accueil des réfugiés syriens à Metz et en Moselle. Merci à vous pour ces explications. Je rappelle que vous pouvez donc faire un don financier en vous rendant sur le site internet www.comsir57.org sous l'article SOS tremblement de terre, si je ne dis pas de bêtises. Merci. Un sujet sur lequel nous allons revenir également dans l'édition de jeudi, donc demain, en mettant en lumière différentes initiatives et témoignages, plus particulièrement en Moselle-Est. Merci à vous d'avoir été sur le plateau. De son côté, il n'aura eu que quelques jours d'existence. À peine installé, le nouveau radar mis en place fin janvier sur la voie verte à hauteur de la commune des Pins a été brûlé et tronçonné. Le boîtier électrique auquel il devait être raccordé avait déjà été incendié début novembre. Des faits qui s'ajoutent aux nombreuses dégradations des radars mobiles recensés sur le tronçon entre Sarreguemines et Philippsbourg. Bien loin des traces de peinture habituelles pour le rendre non fonctionnel, il s'agit cette fois-ci d'une destruction totale du radar qui n'aura même pas eu le privilège de fonctionner. En attendant, restez informés en vous abonnant à nos réseaux sociaux et en téléchargeant l'application Moselle TV. Merci de nous avoir suivis. Pour la suite de votre programme, Jean Milon fera face à Alexandre Chotel, champion du monde de coiffure, pour un entretien dans un instant, suivi d'un nouveau numéro de La Boîte à Malice à 19h. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.